Capitaine, la patronne est passée me voir. Elle est en train de vous concocter un petit cadeau. Visez-moi ça. DACA. Drone d'acquisition de cible automatique. Quatrième génération. Vous tirez, il tire aussi. Mac est dans son élément. Merci, Mac. Que des espaces restreints et accidentés sur Vesta. Ça vous sera bien utile. Comment cet astéroïde a pu dévier tant que ça? Allons chercher la réponse. On n'est pas franchement des astronomes. On emmène la patronne? Je vote non. Chef! Qu'est-ce qu'un pilote dirait sous des trompes d'eau? Dites-moi! J'ai noyé le moteur. Je m'éditerai dessus, lieutenant. Votre Raven est sur l'air 2. Le sergent-chef et ses hommes vous attendent. Merci, chef. Les éruptions vont détraquer vos instruments. Surtout revenez en un seul morceau. Pas de soucis, chef. Repos. Kashima, vous êtes mon copain. Rien ne vous arrête, vous. Bien aussi. Vous allez bien? Je tiens debout, sergent-chef. J'espère bien. Et Ethan? McLaurie vise pour le combat. Il est costaud. Qu'est-ce que t'attends, Raider? Amène-toi. On est alignés. Lieutenant Salter, feu vert. Lancement dans 3, 2, 1. On part. À portée dans 30 secondes. Surveille toutes les fréquences en cas d'appel de détresse. Oui. Radio OK. Aucun marine ne s'en était approché, c'est certain. Vous avez entendu, lieutenant? On établit un nouveau record. Taisez-vous, Cash. C'est un ordre. Rotation de l'astéroïde fluctuante. On n'est pas loin d'une minute. C'est 100 fois plus rapide que la normale. Jette un œil du côté jour. Degrés au soleil. Putain, merde. Conduis-nous à l'abri. Compris. On a un signal. Non, personne n'a pu survivre à ça. On n'en sait rien. Le complexe est cramé. On revient à la base et on avertit Renz. Trouve un endroit où atterrir. Je le déconseille vivement. Sergent-chef, c'est à vous de choisir la mission, et non l'inverse. On se pose à la surface. Mission de sauvetage. Compris. Et un hangar droit devant. À l'intérieur, on sera à l'abri du soleil. Vas-y. Ok, je descends. Les boosters, en route! Allons sauver ces civils, capitaine. Avec moi, prenez garde. Séparez le groupe pour avoir de graves conséquences. Restez ensemble, évitez le soleil. Bien reçu. On retrouvera ces civils, morts ou vifs. En avant. Allez, allez. Vérifiez que la voie est libre. Torche allumée. Ok. Ok. On s'arrête. C'est notre point d'entrée. Putain! Le courant de la station va et vient avec le soleil! Les générateurs doivent être carbonisés! Prends la lumière, on flambe! Ouais, le prochain cycle nocturne arrive d'une seconde à l'autre. On doit rester dans l'ombre, c'est le seul moyen. Sol, t'as raison. Les panneaux solaires de l'autre côté devraient nous protéger. Voilà notre créneau. Préparez-vous. Cours! Allez! Les générateurs sont cuits, ils tiennent plus la charge. On a du courant en plein jour et le noir total autrement. Restez vigilants, profitez de la situation. C'est démon. Vous entendez ça? J'ai trouvé la source du signal. A dû avoir le temps de s'abriter. C'est complètement tué. J'ai repéré une structure de grande taille. Projet pour la taille de ça. Le soleil se couche. On y va. Venez, capot.
pompe. Porte ouverte. Entrez vite, allez. Allez, Raider, mine-toi. Il fonctionne en mode auxiliaire. Ça s'active en cas d'urgence. Ouais, ben, j'appelle ça une urgence. On continue. Menez, capitaine. Vous entendez ça? Putain! C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Ouvrez l'œil. Dispersez-vous, on va inspecter les lieux. Ça veut dire qu'ils ont fait place nette, pas vrai? On dirait bien. Hé, hey, capitaine! J'ai trouvé un truc super pour vous. Qu'est-ce que c'est? Faut bien qu'on se serre les coudes, non? Et à ce propos, votre second, elle est... libre? En ce moment? Vous savez quoi? Je crois que oui. C'est bon à savoir. Faut bien qu'on serre les coudes, non? Bien dit, capitaine! Viens par là, j'ai quelque chose. Ok, j'arrive. Tu crois qu'on lui a tiré dessus? Ces deux-là avaient pas l'air de bien s'entendre. Peut-être qu'Ethan disait vrai. Parler des robots de garde. Quoi? C'est leurs robots de garde qui ont fait ça? C'est pas possible, si? Ouvrez l'œil. Mettez vos masques. Tenez vos secteurs. On recherche des survivants à partir de cette position. Avec moi, Reyes. Je suis derrière toi, Fever. Derrière vous. Drone ouvrier. Pas armé. Pourquoi il bouge comme ça? Il y a du sang sur les murs. On a un civil mort ici. Encore un? On dirait qu'il a le couvre. Saute! Saloperie! T'es blessé, lieutenant? Elle a rien, Cash. Du courant. C'est que nocturne. Les drones doivent être liés à l'alimentation. Bonne remarque! Faut ouvrir cette porte, Reyes. Tu crois qu'il reste du monde à sauver? J'espère bien. On les trouvera. Des robots de garde immobiles. Il y a du courant. Ils s'allument. Éliminez-les. Fais à volonté. Go. C'est super poli. En avant. Bordel de merde, pourquoi nos inventions nous tirent dessus? À 12h. Hey!
Un endroit avec accès au système de vidéosurveillance. Bonne idée, Marine. Les caméras nous aideront à localiser les occupants. Des armes et des munitions! Servez-vous! À tous les châteaux, attention, lumière rouge droit devant. Ça pourrait être le centre de commandement. Attendez l'ombre! Mets-toi! À gauche! Il y a des zones! Ils sont où ? Pas loin. Zone d'atterrissage au-dessus des mines. T'as vu juste, Reyes. Salt, retourne à Raven 1. Mets-toi en place pour l'évacuation. Ok. Je donnerai les infos au Retribution. Ok. Écoutez, on va faire sortir ces gens d'ici. La mine se trouve droitement. C'est du reste. En route. Sergent chef, reçu. Les ressources de ces mines sont essentielles pour la reconstruction de la flotte. C6, sur la passerelle, à 11h. C6, au rez-de-chaussée, à 12h. Sniper ennemi! Sur la passerelle! À 12h!
Sniper ennemi! À la fenêtre! À 12h! Sniper ennemi! Au premier étage! À 12h! Fever, ici Raider, on est sur place. Situation. J'ai décollé. Contact négatif avec le Retribution. Les éruptions solaires brouillent tout. Ils savent pas qu'on est là, ils sont peut-être armés. Gardez le contrôle de vos armes, surtout pas de bavure. Château, porte la château. Je suis le commandant Nick Reyes, on vient vous secourir. Dieu merci. Vous allez nous faire sortir de là? Un transport est prêt pour l'évacuation. Ont tout enregistré. Un vaisseau du Skeldef est sorti de nulle part. Un truc énorme. Ses tirs ont changé la trajectoire de l'astéroïde. C'était l'Olympus, capitaine. Nos mécas nous ont attaqués. C'était pas un accident. Le Skeldef a dû détourner leur programme. Vous avez trouvé d'autres survivants? On était plus nombreux. Mais ils sont pas arrivés. Il ne reste plus que vous. Il y a une aire juste dehors, mais elle est couverte d'un bouclier thermique. On a des matériaux hautement explosifs. Bien sûr. Allons-y! Les robots vont se ramener si vous ouvrez l'accès à l'aire d'atterrissage. Vous voulez sortir de là ou pas? Rassemblez tous vos hommes. On va devoir piquer un sprint jusqu'au transport. Je vais vous conduire aux commandes, mais vous les actionnerez vous-même. Fever, ici Raider. On établit une ZA pour évacuer les civils. Gros risque de présence ennemie. Bien reçu. Je suis en place. Ok. Ce levier ouvre les volets. J'espère que vous savez ce que vous faites. La ZA est ouverte, Fever. Reste dans l'ombre. Protégez les civils! Tenez-vous prêts à tirer! Retenez-les! On s'en va au cycle nocturne! Ennemi, on a de la compagnie! Allez, allez, oh. Merde.
Il me tire dessus. L'astéroïde est instable. Faut qu'on décolle tout de suite. Je vais le chercher. Non, on n'a pas le temps. Omar, salon. Minute, il faut qu'on attende Omar. Allez, ramenez-vous vite, sergent Chef. J'y arriverai pas. Partez, vite. Non, mais qu'est-ce que... La mission prime, partez. Non, non, stop. Soldat, stop. C'est un ordre. C'est moi qui pilote ce vaisseau, c'est mon boulot de m'assurer qu'on rentre vivant. On décolle seulement quand j'en donne l'ordre. On n'avait rien à faire là-bas, de toute façon. C'est pas toi qui décides. C'est la mission qui prime, c'est Omar qui l'a dit, pas moi. Je rentre avec mes hommes, Salt, et toi aussi. Capitaine, il a fait son choix. Mais c'était pas nécessaire. Deux secondes, Salt. Il lui fallait juste deux secondes de plus. Et moi, ces deux secondes, j'en avais besoin pour nous faire décoller. Et si c'était moi? Où tu veux en venir, là? Tu m'aurais laissé là-bas? J'en sais rien. Si, tu le sais. La moindre hésitation est fatale, Reyes, tu le sais très bien. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Non, pas toujours. Et depuis quand? Depuis que tu es capitaine. Là, ça ramène. Du nouveau, Gator? Nous avons reçu un rapport d'urgence. Quand arrivez-vous? On est en approche. On aura besoin de vous au plus vite, monsieur. Reçu. On a des civils à bord. Très bien, entendu. On va préparer l'accueil. Terminé. La journée est loin d'être finie. On sait contre qui on se bat. Contre l'ennemi, pas entre nous. Tu as le feu vert pour faire le nécessaire. Désolé pour Omar, Reyes. Moi aussi, Salt. Très bien, lieutenant. On s'occupe de tout, chef. On se voit sur la passerelle quand vous aurez fini. Capitaine, par là, je vous prie. Fais-nous le topo. Qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Un SOS de Ferran. Vous devriez le recevoir. Impact imminent. On l'a fait ça. Le Tigris s'est attaqué. On est en contact avec Ferran? Les éruptions solaires nous en empêchent. Gator essaie d'établir leur position. Est-ce que la mission s'est mal déroulée? On a sauvé des vies, Ethan. Mais pas sans problème. Des problèmes graves, lieutenant? Le sergent-chef Omar y est resté, Ethan. Je suis désolé, capitaine. Gator, j'ai le capitaine, on arrive tout de suite. Capitaine aux commandes. Verrouillage. Compris. J'ai réussi à localiser le Tigris. Préparez un saut vers sa position le plus vite possible. Compris. Lieutenant Salter, prévenez nos jackals. Que les Ravens se tiennent prêts pour les survivants. Reyes, franchement, ça tu fais ce que je dis. Oui, chef. Capitaine, l'officier Com me signale un communiqué urgent de l'amiral à votre bureau. Ceci est un briefing confidentiel sur le prisonnier nommé Ria. Veuillez vous identifier. Commandant Nick Reyes. 3, 2, 1. Nous pensons que la mission de Ria était une attaque suicide contre la TIS. Son transpondeur implanté aurait été détruit. Coupant son signal, destination le feu vert à la flotte ennemie. 2, le commandant estime donc qu'une invasion est à craindre. Nous devons réagir en conséquence. C'est votre objectif. Top 4 terminé. Vaisseau en position, capitaine. Il serait temps d'y aller.
Salt, envoie une équipe de sauvetage armée. Il n'y a personne là-bas, Reyes. Gator, appelez le pont. Je vais y aller moi-même. Je vous accompagne. Capitaine, aucun signe de vie. Pas de signal. Il n'y a plus rien à faire. Une balise émettrice. Pas loin. Je suis dessus. Connexion. Tout de suite. Ici le capitaine Salem Koch de l'Olympus Mons. Le vaisseau de l'UNESA Tigris est en pièces. Nous réduirons à néant les ennemis du front. Je m'adresse maintenant au Retribution. Nous continuerons à vous combattre à la surface de votre monde en déclin et ailleurs. Vos villes déposeront les armes. Au bout du rouleau, nous ne faillirons pas. Mars Eternum. Vesta a été un piège. Il savait qu'un de nos vaisseaux s'en mêlerait. On s'est fait avoir. Le caporal a raison, capitaine. Il n'est plus caporal maintenant. Vous êtes sergent. Vous commandez les marines à bord. C'est un honneur, chef. Je crois qu'on ferait mieux de contacter l'amiral Rains. Non. Omar disait que c'était à nous de choisir la mission et non l'inverse. C'est ce qu'on va faire. Venez voir. Ketan, enregistre. Ok. À chaque assignation, on nous la mine. Le Tigris est perdu. On est les suivants. N'en déplaise au bureau, la passerelle prime sur le reste. On va lever le pavillon noir et trancher des gorges. Bien parlé, capitaine. Le 7DF tient des objectifs inopinés. Ici, on va changer la donne. Leur tendre une embuscade chez nous. Sur Terre ? On attire l'Olympus à Genève et on la bat. J'adore ce plan. Puis-je vous demander comment, capitaine ? On a obtenu un transpondeur du 7DF. On l'a extirpé de l'agent qui a saboté la TIS à Genève. C'était une mission suicide. Il devait cesser d'émettre après la mort de l'agent. Eh bien, une fois les canons détruits, ils auraient perdu le signal du transpondeur. Et ça leur aurait donné le feu vert. La flotte aurait débarqué immédiatement. Au conditionnel, les canons seront actifs. Mais le front ne sera pas au courant. Ils seront sans méfiance. La TIS frappera leur flotte. Contre-embuscade. On met le couvert et on les gave. Et le reste alors ? On le supprime de l'équation. Il est à bout. Golf luminique, trop loin de l'atmosphère. À cette distance, c'est très difficile de réagir vite. Zéro renfort. Un saut dans l'atmosphère pourrait être désastreux. L'onde de choc à elle seule serait destructrice. Pourvu que ça n'arrive pas. Ethan, tu vas nous établir une carte. Prépare-nous un briefing pour le commandement. À vos ordres. Ça pourrait changer le cours de la guerre, capitaine. C'est l'objectif, Brooks. Préparez-vous pour une frappe aérienne. Compris. Mac, vérifiez les réacteurs. Ok, très bien. Je veux ce vaisseau, Reyes. Allons-y, Salt. C'est bon, capitaine. Prêt à recevoir vos ordres. Un repère correspondant à votre mission sur Terre a été ajouté à la carte. C'est notre dernière chance de faire le ménage sur la carte, capitaine. Ou bien... Les forces du 7DF récupèrent des pièces mécaniques dans un cimetière de vaisseaux à proximité de Pluton. Elles ont un destroyer et un petit escadron de scalters sur place. Si on se déploie maintenant, on pourra abattre leurs appareils et s'emparer de leur butin. Ces pièces nous seront essentielles. Voilà à quoi on en est réduit. On peut pas laisser le 7DF nous priver de nos ressources. Ça m'étonnerait qu'ils acceptent de partager. C'est clair. Capitaine, les scalters du 7DF ont déjà établi un périmètre. Ils ouvriront le feu dès notre arrivée. Compris. Des infos sur le cimetière de vaisseau ? Beaucoup de débris, peu d'espace pour les manœuvres aériennes. On va s'amuser. Scar, un conseil. Prenez garde en naviguant au milieu des épaves. 1-1, ok. 1-2, ok. Scar 1, vous pouvez décoller. Bien sûr. Lancement dans... Destroyer du 7DF à 12h en visuel. Retribution, restez en position. Les SCAR prennent le relais. Reçu, capitaine. Bonne chasse. On se retrousse les manches, Raider. Les Skelters sont prioritaires. On réduit leur nombre, puis on s'occupe du destroyer. Reçu. 1-2, j'ouvre le feu. Il reste plus beaucoup de Skelters, on continue. Avec plaisir. Armement en surchauffe. Il y en a encore quelques-uns. On se les fait. Merci.
Raider, démolis-moi ces scalters! Joli! Je vois la cible. Cible à 12 heures. Concentre-toi sur les scalters! Attention, plusieurs headshots en approche. Bien sûr. On leur met la misère, Soult. La misère, bien reçu. Feu à volonté. Destruction confirmée. Destroyer du 7F abattu. Beau travail, tout le monde. Attention, il reste quelques chasseurs dans la zone. Reçu. Fever, tu me couvres. Confirme-moi. Contre-mesure. Joli tir, Raider. Occupe-toi de cet headshot. Heure larguée. Température des bombes de fantasme. Et Jack abattu. Joli tir. Cible exterminée. Getter, ça donne quoi sur le radar? Le secteur est presque dégagé. Attention, il y a un as dans la zone de combat. Fume-le, Raider. J'engage. Ennemi à une heure. East Eye. Abattu. Bien joué, Raider. Bien visé, capitaine. Ciel dégagé. Tous les vaisseaux du 7F ont été éliminés. Vous avez fait du bon travail, Scar. Transmettez au commandement stratégique et envoyez une équipe de récupération. Bonne idée, Reyes. L'Inessa doit pas en perdre une miette. On rentre à la maison, Scar. Retribution, escadron en approche. Reçu. Tour de contrôle à vous. Permission d'atterrir. Attendez le verrouillage du drone. Volet, train, paré au verrouillage. T'as fait du bon boulot, Raider. Toi aussi, Salt.